Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, j'ai raison. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre, quoi? Ouais. Mais ouais, c'est clair, vous avez tort. Mais vous avez tous tort, vous êtes plein à avoir tort. Donc vous êtes plein à avoir tort. Donc c'est qui? Moi, je suis bien, moi, avec ma raison. Je fais quoi avec ma raison? Je la prends et je me la mets dans le cul, c'est ça? Mais quand moi, je serai plus là, quand il n'y aura plus de raison, vous allez perdre la raison. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. Ils en ont rien à foutre. Mais c'est un luxe de dire ce qu'on pense. Il faut être fou, hein, pour dire ce qu'on pense. Pourquoi je fais des vidéos? Parce que je suis tout seul. Je parle avec moi, quoi. Je parle avec moi, je parle tout seul. C'est ça faire une vidéo, c'est parler tout seul. Ouais, j'ai mérité ça. J'ai mérité ça. C'est parce que ouais, on peut aller tout, on peut tout inventer, hein. C'est parce que je suis méchant, c'est parce que je sais pas moi. Il doit y avoir 25 000. Les faits sont là, quoi. Les faits, c'est que voilà, t'es seul. Ben voilà. Ben voilà. Comme si j'avais rien fait, quoi. Comme si j'ai rien fait. Vous faites comme si je fais rien, quoi. Comme si j'existe pas. Ouais, je devrais être parfait. Je devrais tout faire gratuitement, moi. Hein? J'ai fait déjà tout gratuitement. Et en plus, je devrais être heureux que. Vous faites rien. Qui d'entre vous veut devenir comme moi? Je fais rêver qui finalement? Hein? C'est une bonne question. Je te fais rêver? Elle t'a pas rêvé? Je suis ici tous les jours. Ah, ça c'est mon monde. C'est mon monde. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Sors! Va draguer, baise. Va travailler, t'acheter une voiture. Pas heureux. Non, je suis pas heureux. Vais pas faire semblant d'être heureux.
que non seulement j'ai rien à vendre, mais même si vous m'achèteriez rien du tout. Je sais pas pourquoi. Mais non, sois pas paranoïaque quand même. Pourquoi tu dis qu'il t'aime pas? Ouais, vous m'aimez. Hein. Ben, c'est sûr ça. Vous m'aimez. C'est le grand amir de Big Love. Le grand amour de Big Love. Non, je vais devenir méchant. Voilà. Je dois arrêter. T'arrêtes. Je vais devenir méchant. Tu donnes rien à personne. Calcule tout. Tu les manipules. Tu donnes que s'ils sortent. Non, tu fais semblant de donner. Et t'attends qu'il te donne vraiment. La vérité, c'est que j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais pas baisser, je vais pas baisser les bras. Mais je vais plus m'exposer. J'ai plus envie de vous donner. La vérité, c'est que vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Ce que vous faites me dégoûte. Après que les autres autour de vous vous dégoûtent, ou que vous les aimez parce qu'ils font comme vous, qui vous ressemble, c'est pas mon problème, ça, c'est votre merde, dans tous les sens du terme. Mais vous me dégoûtez. Moi, je croyais que, franchement, je le croyais vraiment. Je croyais que vous bougiez pas parce qu'il y avait personne qui vous proposait une solution, une vraie solution. En fait, c'est pas vrai. Vous bougez que pour vous. Soit pour détruire l'autre, et quand il y a plus personne, quand vous n'avez plus personne sous la main, vous vous détruisez tout seul. Ouais, vous me dégoûtez. Mais tous, hein, tous. J'ai 42 ans. Je crois que les personnes. Les humains que j'ai rencontrés dans ma vie, je crois que, oui, avec les 10 doigts de ma main, eh ben, il reste encore des doigts. Il reste encore des doigts. Terence Lacroix. Je crois que c'était possible. Il disait, ouais, ils vont. Je dis les gens, le peuple, les gens qui, comme moi, toi, les gens, un type qui a pas envie de faire la pute. Oui, pour ses enfants, oui, mais pas pour.
pour devenir une étoile, une star. Je me disais, ouais, ils vont se reconnaître. Ils vont se dire, ouais, celui-là, il nous représente. Ben non. En fait, les gens qui sont comme vous, vous les méprisez. Pas parce qu'ils sont comme vous. Parce que, étant donné qu'ils sont comme vous et qu'ils font ce que vous ne faites pas, ça vous renvoie au fait que vous êtes des lâches. La corde. La trahison. Ah, je parle avec toi, mon Dieu. Je parle avec toi. Est-ce qu'il y a encore Dieu chez ces gens-là? Ou est-ce que moi, est-ce que je crois? Mais non, je crois pas. Ce qui fait que je suis en colère et que je suis énervé contre vous, c'est parce que je crois pas. Elle me dit j'ai rien ici, rien. Ça fait mal, hein, d'être intelligent et de sortir avec des connes, des putes et des salopes, mais surtout avec des filles bien, parce qu'elles sont bien. Moi, je vois aussi le bien en elles. Je vois pas juste le mauvais côté. C'est ça qui me rend triste. C'est que c'est des filles bien. J'ai vu. Et je suis tombé amoureux de ça. Je suis tombé amoureux de leur côté bien. À chaque fois, elles le sacrifient. Elles me sacrifient. Et puis elles partent. Peut-être que moi aussi je partirai dans leur situation. Je suis qui, moi? Un chômeur. J'ai une licence en psychologie clinique, quoi. En plus, j'étais à l'UNIF, quoi, tu vois. C'est même pas le type qui travaille pas, quoi. Oui, je suis humain. Excusez-moi. Savez, quand vous avez un champ et vous le labourez, puis vous semez, vous mettez de l'eau, puis vous revenez, et il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à pousser. Puis vous attendez encore. Vous le relabourez, vous le ressemez, vous remettez de l'eau. Pourtant, vous savez que les graines que vous mettez, elles sont bonnes. Il n'y a rien. Rien qui pousse. Rien. Alors, vous vous posez des questions, vous êtes obligé. Doué, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis mal? Est-ce que je suis mal? Comment tu veux que je me pose pas ces questions, mon Dieu? Tu vas me dire que tu n'es pour rien. Je le sais.
Alors tu te dis que t'es peut-être en train de payer le mal que t'as fait. Et puis il y a quelqu'un en moi, quelque chose en moi qui me dit que c'est pas vrai. J'ai toujours payé. J'ai toujours payé. Même quand j'avais raison, j'ai payé. J'ai toujours payé, mon Dieu. Toujours. Quand je faisais des conneries, j'ai payé. Quand les autres faisaient des conneries, j'ai aussi payé. J'ai toujours payé. On m'a toujours fait payer. Et j'ai toujours payé. Je devrais être content de payer. Ouais, il y a des gens comme ça qui viennent et qui voudraient que je sois comme ça sur ma croix avec un sourire. C'est-à-dire, non seulement je dois payer, je dois pardonner, je dois aussi pardonner les gens qui devraient me demander pardon. Mais en plus, sur cette croix, Terence la croix, il voudrait aussi que j'ai un sourire, je devrais leur dire merci finalement. Merci. Merci. En fait, vous avez raison. Merci. En fait, je devrais leur dire qu'ils ont raison. Que c'est bien. Que c'est comme ça qu'il faut faire. Que, en fait, c'est pas de votre faute si vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites de mal. C'est à cause de l'autre. Tout est de ma faute. Si je serais comme tout le monde, que je ferais payer tout le monde et que je ne bougerais ou que je ne ferais quelque chose que si on me paye. Sinon, je ferais rien. Ben, j'aurais pas de problème. J'aurais que des solutions. Que des solutions. Ouais, ils me disaient, ouais, qu'est-ce que tu fais Et bouge, va aider les pauvres. Va aider les pauvres. C'est vous les pauvres. Vous êtes pauvres et je vous donne à manger. Et je vous donne à manger. Tous les jours. Je me lève à 9 h. Jusque minuit. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas fait. Chaque fois. Et quand je ne l'ai pas fait, c'est parce que je faisais des vidéos. Ou que je les montais pour vous les donner. Tous les jours.
Rien. Rien. Ce champ est stérile. Un peu comme si je me masturbais, tu vois. Je me masturbais devant une femme virtuelle. C'est vous la femme virtuelle. Ah, y a rien qui, y a rien, y a rien, y a rien qui prend envie. Rien. Je leur demande de partager pour me faire exister. Dès que je parle de partager, ils disparaissent. Ça se demande pas de partager. Il paraît que ça se demande pas. Mais de faire mourir quelqu'un, de pas reconnaître son travail, parce qu'il est d'une certaine manière dépendant de vous, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ils vont écouter la vidéo. Puis ils vont aller sur Facebook. Ils vont aller voir deux culs, cinq blagues. Et ils vont oublier. Ils vont oublier. Ils vont s'oublier. S'oublier. Faire passer le temps. S'abrier. Champagne, ça brille. Pacotille. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je m'en fous pas? Pourquoi je suis pas comme eux? Pourquoi j'arrive pas à m'en foutre? Avant j'y arrivais. Je sortais. Je faisais la pute. Ou je tombais sur une pute, on baisait. Je rigolais pour oublier. Ça doit vous ennuyer que je prenne mon temps. Je respire, que je pense, les blessures. Je dois me défendre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà votre philosophie. Après, si vous vous trompez, vous attaquez quelqu'un qui vous voulait aucun mal, finalement. Aucun. C'est pas grave. C'est sa faute. Le bien est responsable. Il est coupable d'être bien. Le mal, il est victime, quoi. Il est victime.
Il est victime parce que, voilà, si le bien aurait été mal, ben il n'aurait pas fait mal, quoi. Pourquoi je vous raconte tout ça? Le désespoir n'existe pas, dirait Rabinou. Je sais pas où il est. T'es responsable, comme si j'étais tout seul, quoi. Comme si ma vie ne dépendait que de moi, quoi. Finalement, voilà, les autres, ils sont comme ça, grâce ou à cause de moi, quoi. Et donc, si je suis devant quelqu'un ou dans un monde où ils veulent pas voir des gens comme moi. Ils veulent pas les voir. Je vais faire quoi? Je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Et ça? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Pour simplement vivre. Pour trouver une femme. Pour qu'elle accepte de porter un enfant. C'est ça, mon Dieu. Où je dois attendre. Avoir confiance. Peut-être que mon tour viendra aussi. Mon tour viendra aussi. Je vais attendre qui? Ma femme, la mort. Peut-être qu'elle acceptera de porter mon enfant et de lui donner la vie. Pourquoi on fait payer dans la relation de couple tout ce que le monde vous a fait? Pourquoi vous faites payer l'autre qui vous aime toute la haine que vous avez été chercher dans le monde et que vous avez donnée au monde? Pourquoi vous allez vous venger là où il y a du bien, des valeurs, la vie? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends rien. Ouais, ça doit vous choquer peut-être. Pas mal de gens, ça doit vous choquer. Oui, vous êtes dans des MDR pour pas rentrer en contact avec cette partie de vous. Vous êtes même capable d'aller à l'autre bout du monde
plusieurs fois par an, pour ne pas vous rendre compte quelque chose qui ne va pas. Quelque chose de fondamental qui ne va pas. J'ai pas envie de rigoler. Franchement, j'ai pas envie de rigoler, quoi. Je comprends pas comment vous faites. Parce que moi, j'ai vraiment pas envie de rigoler, quoi. Ouais, vous baisez parce que vous vous ennuyez. Voilà ce que je crois. En tout cas, voilà ce que moi je faisais. Je le fais plus maintenant. Ça a beaucoup plus de valeur que ça. Et moi aussi. Et la personne avec qui je le ferai aussi.